Bien le bonjour à tous mes amis, très content de vous retrouver pour la partie 2 de ce let's play sur Far Cry où nous allons continuer d'explorer cette île dangereuse et nous devions rejoindre un bunker. Bordel, je suis coincé. Le jeu me troll. Nous devions aller dans un bunker donc pour pouvoir retrouver, il me semble, Valérie, donc la fille qui est avec nous. Et alors, sinon je lui fais avaler son acte de naissance. Il y a une petite bombe. Est-ce que si je tire là-dedans, ça pète? Son acte de naissance. T'as ces expressions. Ok, ça pouvait exploser. Donc les bonbonnes peuvent exploser. Ah, écoutez. Ah, voilà. Allez, c'est parti. Alors, il y a des jeux comme ça en fait. Je sais pas vous, mais moi ça m'arrive sur quelques jeux comme ça où je prends vraiment un plaisir énorme à défoncer les ennemis. Je sais pas, il y a des jeux où ça me satisfait plus que d'autres. Alors je sais pas si c'est pas le ragdoll ou les trucs comme ça qui font que bon ben ça génère une espèce de satisfaction. C'est-à-dire cet effet là où les corps des ennemis en fait font un petit peu n'importe quoi quand ils se prennent des balles. En fait, on dirait qu'ils surréagissent à nos balles et en fait, ça leur donne une espèce de... Ça donne une espèce de puissance à notre arme, finalement. J'entends des bruits de pas partout. Voilà. Ouh. Ah, il m'a... Putain, le mec, il était en sneaké en train de ramper, quoi. Voilà, ouais. C'est trop drôle, quoi. Voilà, ils surréagissent, en fait, à nos balles et ça donne, voilà, une puissance à notre arme qui moi, je trouve cool. Allez, le mec est parti a été propulsé à 3 mètres derrière quoi. Et ça j'aime bien en fait, j'aime bien. Du coup j'aime bien tuer les ennemis dans ce jeu. Et ça m'a fait le même effet avec le premier Halo. Même tous les autres Halo. Oula. Ok, je me fais un petit peu massacrer. Le premier Halo, j'ai vraiment une grosse satisfaction à détruire les Covenant. Surtout les grunts, là, les espèces de petites boules là, qui courent partout et qui se chient dessus dès que ça pète un peu trop fort. Là, juste... Oh, le mec s'est assis, quoi. Juste, je vais essayer de récupérer de la vie, là. J'avais vu de la vie, là, quelque part, là. Oui, voilà, par là. Et ici, il y avait un pack de vie, voilà. À défaut d'avoir de l'armure, j'ai au moins de la vie. Parce que là, j'ai pris quelques balles. Bon, on est à fond niveau munitions. Ah, attendez, parce qu'on a peut-être là. Ok, mais je suis à fond en ça. Mais est-ce qu'il y a du silencieux là-dessus? Appuyez sur J. Non, mais je peux. Non. On va tenter cette arme un petit peu. Parce que je vois qu'il y a un silencieux. Ouais, il y a un petit silencieux. Donc peut-être que ça va nous aider dans des situations où on aura envie d'être un petit peu plus discret. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait un système de décal. Ah, ça peut être pas mal ça, tiens. Ok, on a de la vie ici. Moi, ce que je veux, ce serait de l'armure. Juste, je vais changer les munis. Voilà, je vais prendre des grenades. Les grenades frag. Voilà, on arrive ici. C'est magnifique. Ok, on voit un ennemi là-bas. Voilà. Oh, elle est géniale, cette arme. Elle est géniale. Elle est encore mieux que l'autre. Oh, j'adore le bruit que ça fait. Ah mais lui c'est vrai. Ah c'est vrai que j'ai un sniper. Ok, là il y a un truc. Ah mais faut que j'aille du côté de la... De toute façon faut que j'aille du côté de la parabole. Parce que voilà le but. Non, j'ai dit en début de partie que le but c'était de détruire de trouver Valérie. C'est aussi le but. Mais là le but premier c'est de détruire la parabole. Donc déjà,
Ah, c'est génial. Le mec n'a pas su d'où ça venait. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et allez, le deuxième est mort. Ah, c'est vrai que le but était de détruire la parabole pour couper les communications des ennemis, je pense. Merde. Eh hey, merde. Il va déclencher l'alarme. Ça y est, je suis mort. Ouais. J'en ai un sur la gauche, j'en ai un sur la gauche, j'en ai un sur la gauche. Ah, il est mort. Oh la vache. Oh, non, mais assez dur quand même. C'est malgré tout c'est quand même assez dur comme jeu. J'imagine pas en mode très difficile quoi. Tu dois te prendre vraiment deux balles. Bah, il dit qu'il se passe des trucs monstrueux là-bas. Monstrueux, comment c'est quoi? Ah c'est bon, les deux sont morts. Là j'ai été efficace sur ce coup-là. On va détruire celui qui est là. Très bien. Là, il y en a un autre qui doit monter. En fait, le but, c'est vraiment d'y aller. C'était quoi, ça? Voilà, il va monter, il va monter. Il va monter. C'est bon. C'est vraiment d'y aller petit à petit, voilà. Tu vois. Hop là, un mort. Et tu décales comme ça, tu décales. Tac. Là, c'est petit à petit, petit à petit. Voilà, je vois un ennemi, je le tue. En fait c'est ça, faut pas y aller. C'est vrai que c'est compliqué parce que moi je suis plutôt un joueur un petit peu bourrin on va dire. Mais c'est justement un jeu où il faut y aller de manière un petit peu justement tactique. Et faut vraiment progresser assez lentement je pense. Si on veut faire quelque chose d'assez propre. À savoir, voilà, on se met comme ça. Hop. C'était quoi ça? Le voilà. Ok. Je dois en avoir un sur la gauche là. Ok. Il est en haut. Ah, je vois pas. Ok, il est là. C'est bon. Il a pris sa tête. Oula, ça veut dire que j'ai une grenade, non? Là, ici. C'est bon. On y va progressivement. Il y a des difficultés avec les escaliers, ce jeu-là. Il semblerait qu'il y ait un hélicoptère qui se pointe. Et merde. J'ai pas de... J'ai mes grenades, là. Bon, il va débarquer des mecs, mais enfin, bon, niveau discrétion, on a vu mieux quand même, je pense. Oh la vache! Oh la vache! Oh le débarquement, mec! Oh purée! Oh, je m'y attendais tellement pas à ce débarquement de fou furieux. Les mecs, tu sais, je pensais que ça faisait un débarquement, genre... Oh, un bazooka. Nous avons un petit problème. Ah, bah j'aurais pu tirer avec le bazooka sur... C'est pas bon, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est risqué, mais je devrais être capable de pirater le système de sécurité. Restez en ligne. Ouais, c'est ça. Prenez votre temps. Ah, je pensais vraiment que ça allait être... Vous avez été repéré. Je détecte des unités sur la mer et dans les airs. Et merde. Elles arrivent par le nord. Génial, il manquait plus que ça. Pourquoi j'ai jeté une grenade? Non mais moi je voulais juste prendre le bazooka en fait. Ouais voilà, comme je disais, je pensais que le débarquement il allait se faire avec les cordes droites ou quoi. Que j'arrivais bien pouvoir les défoncer, mais non en fait les trucs ils arrivent, c'est de la folie quoi. Est-ce que le missile il va réussir à toucher le bateau?
va aller récupérer le... Allez, ça dégage. Quoi, il y en a un autre qui prend le relais. Allez. Doyle, c'est quand vous voulez. Je suis dessus, un peu de patience. Allez. Putain, j'ai que ça. Non. Nous avons un petit problème, Jack. On dirait qu'ils ont verrouillé la porte du centre de communication. C'est pas bon, ça. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? C'est risqué, mais je devrais être capable de pirater le système de sécurité. Restez en ligne. Ouais, c'est ça. Prenez votre temps. Je vais voir si si je peux pas, par exemple, détruire les hélicoptères. Je détecte des unités sur la mer et dans les airs. Elles arrivent par le nord. Génial, il manquait plus que ça. Avec le bazooka, ça sera peut-être plus simple. Le truc me saoule pas. Si on reste un petit peu éloigné comme ça, ça devrait le faire. Il a pas l'air de vouloir me toucher. À moins que le jeu suit mes mouvements. Non, c'est bon. Ça vient pas jusqu'ici. Il n'y a plus qu'à attendre les hélicoptères. J'ai pas l'impression que le bateau en bas puisse se détruire. Ah ça y est, les hélicoptères arrivent. On les tente, allez. Mais merde. Ah oh, ça y est, ils sont tous morts. Alors celui-là, j'ai pas le droit à l'erreur. Oh putain. Mon Dieu, Doyle, c'est quand vous voulez. Je suis dessus, un peu de patience. Il reste 4 munitions. Ma roquette qui a pété dans le ciel. Ça y est, la sécurité est désactivée. Vite, Jack, entrez dans le bâtiment. Bon, ben voilà. Je dégage. Allez, je reprends mon silencieux. La souche Oula. Bêta du mutagène n'est plus résistante que prévu. Les cobayes développent des qualités surhumaines, mais ils se montrent quelque peu instables. Je crains qu'ils ne deviennent difficiles à contrôler. J'ai pris la précaution d'utiliser mon propre ADN pour servir de porteur à la souche. Avec un peu de chance, une sorte de lien primaire nous rapprochera, ce qui me permettra de les contrôler. Les prochains cobayes seront bientôt prêts à être incubés. Le centre de communication est alimenté par un générateur à essence. Si vous placez une charge sur le réservoir, l'explosion soufflera le complexe tout entier. Oh, une charge explosive. Bien sûr. Oui, j'en ai toujours sur moi. Agissez en professionnel au lieu de vous plaindre. Les mercenaires utilisent des charges pour déboiser les îles. Cherchez un peu, vous allez bien trouver ce qu'il vous faut. Ok, donc nous avons pris une carte jaune, et maintenant on sait que sur cette île, il y a des expériences avec des cobayes. Bon, apparemment... Bon, mais c'est bon, voilà. J'ai les charges. Oh, qu'est-ce que c'est comme arme? Ok. Donc il faut que j'aille les appliquer. Je me rappelle plus où il avait dit, mais bon, bah, un endroit où il faut que ça pète bien finalement. Ah bah ça doit être là-dessus. Voilà. Vite, vite, vite. La machette, elle est où? Allez. Et voilà, l'antenne détruite. Rendez-vous à l'embarcadère à l'autre bout de l'île. Il est essentiel de préserver ma couverture. Donc, sécurisez la zone avant que j'arrive. Ok. Le jeu qui la joue contre moi. Et qui me fait des dégâts avant même que je commence la partie, quoi. Oh là! Il est pas mort, lui?
Abandon. Un peu de dignité quoi, meurs quand je te tire dessus. Allez, hop. Là c'est bon, je me suis remis à fond. Vas-y. Oh, il y a des mecs là, vas-y. Ils vont mourir écrasés. Oh yes. Vous savez manœuvrer un deltaplane? Non, mais j'apprends vite quand on me tire dessus. Ah, je devrais me démerder. Hein. Ah, j'adore. Allez, franchement, et quand tu voyais ça en 2004, c'était de la folie. Hein. C'est, ça a été quelque chose. T'arrives, t'étais là, tu. Oh, tu dis, c'est beau. Oh, c'est beau. Bravo. Alors, mais du coup, je dois aller où? Est-ce que je peux aller là-bas? Je peux aller à pied? Ok, donc enfin, le but, ça va être de faire comme ça et de remonter jusqu'à là-bas. Allez. Le réseau de communication est désactivé. Cela prendra plusieurs heures pour le réparer. En attendant, vous pourrez vous déplacer sans trop d'entrave. Notre fréquence n'est pas affectée. Nous pourrons donc continuer à communiquer. C'était pas prévu, ça, là. Est-ce que ça, c'était prévu, ça? C'était pas prévu, ça. C'est bon. Waouh. Oh, merde. Mais... Oh, non. Bah non, mais non. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? J'ai à peine j'ai touché une touche directionnelle, ça m'a fait Rendez-vous à l'embarcadère à l'autre bout de l'île. Il est essentiel de préserver ma couverture. Donc, sécurisez la zone avant que j'arrive. OK. Merde alors, merde quoi. Allons donc. OK, donc le mec qui nous parle va arriver, il faut qu'on sécurise. Vous avez entendu ça? Oh là là! Les mercenaires utilisent parfois des deltaplanes pour aller d'une île à l'autre. Vous savez manœuvrer un deltaplane? Non, mais j'apprends vite quand on me tire dessus. Ok. Bon bah allez, cette fois-ci je touche à rien. Bon bah y a l'hélicoptère qui va se pointer. Le réseau de communication est désactivé. Cela prendra plusieurs heures pour le réparer. En attendant, vous pourrez vous déplacer sans trop d'entrave. Il y a le bateau juste en bas. N'est pas affecté. Nous pourrons donc continuer à communiquer. Allez. Ils ont du mal, eux aussi c'est pareil. Allez, j'en ai défoncé un. L'hélicoptère est en feu. Allez, va te cracher. Il dépose les mecs. Oula. Putain, j'ai eu de la chance. Oula, qu'est-ce qu'il a jeté lui? Parfait. Ah, ça c'est de l'aventure. Et ça c'est... Ça, c'est de l'aventure, les mecs. Mais quelle aventure, mais quelle aventure. Il est où, le bateau? Ah, ben, il est là. On va pas... dans ma tête, je me suis dit, je vais prendre le snipe, je vais leur mettre quelques balles. Mais, je pense pas que ce soit... la bonne solution. Ok. Les jumelles. C'est l'aventure. Ok, ils ont des snipers. On y va tranquille. Allez, je me planque derrière les arbres, là, derrière les bananiers. Il faut que j'arrive à éliminer le sniper en premier. Oh, je l'ai eu. Le mec ne sait pas ce qui s'est passé. Oh, le mec ne sait pas d'où ça vient. Génial. Alors attendez. Parce que là, le problème, c'est que j'ai tué ceux qui sont en haut. Est-ce qu'en bas, il y en a d'autres? Non. Il semblerait pas. Mais par contre, le gars d'en haut a
balles de sniper. Et ça, ça m'intéresse fortement. Voilà. Ok. On dirait que les dégâts causés à la tour de communication les ont un peu énervés. Je me dirige vers vous, mais j'ai besoin d'une diversion. Je vous suggère de faire sauter leur armurerie. Ça devrait suffire pour les distraire et me permettre de passer inaperçu. Faire sauter quelque chose pour détourner leur attention de l'explosion précédente. Monsieur est un grand stratège. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, c'est pas faux. Oh là là. Sans qu'on le sache. Exactement, on l'a dans l'os, mec. Peut-être que c'est juste un seul type, comme ils disent. Ouais. Et pourquoi ils sont prendre en communication? C'est le début d'une invasion, je te dis. Peut-être bien, mais quand ils s'attaqueront à Jakutan, ils auront droit à une grosse surprise. Ouais, ouais. On va les démolir. Allez, vos gueules. Vous avez entendu ça? Personne ne m'a vu. Ils savent pas où je suis. Ok, il y en a un qui est sur la droite là. Faut que je fasse attention. Ok, hélicoptère. Je pense pas qu'il fasse quelque chose dans cette jungle. Quoi qu'il est, il est en mesure de déposer des mecs derrière moi. Non, je sais pas ce qu'il compte faire l'hélicoptère. J'entends des mecs là. Faut que j'essaie de m'échapper de cet endroit. Ici là. C'est bon, je l'ai eu, mais c'est vrai qu'à partir du moment où tu mets pas une tête avec cette arme, c'est... C'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, il faut vraiment lui mettre une bonne moitié de chargeur dans le dos pour qu'il meure, quoi, les mecs. Bon, là-bas, l'armure, je suis à fond. Allez, c'est bon, on traverse. Allez, parfait. On a atteint un point de sauvegarde. Ça me va. Ok. Donc là, on a plusieurs personnes. Là-bas, il y a un mec. Ok. On a un mec là-haut aussi. Bon, c'est déjà bien. Si... On va essayer de passer derrière eux. Et s'il y a un truc pour... Oula. Bon, je me suis fait repérer. Alors là, vous voyez peut-être pas là sa tête au mec. Putain. Ouh. Il m'a mis une cartouche. Ah, le problème, c'est que là, il y a tout le monde qui va se ramener là. Putain, j'ai pas envie qu'il se ramène derrière là. Ah, y a tout le camp qui est en alerte. J'ai plus beaucoup de... Tiens, ben voilà. Parfait. Oula. Enfin, avec le bruit qu'il a fait, j'ai cru que je l'avais tué, moi. On y va. Oh, il est résistant. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est bon, il est mort.
Il doit probablement y en avoir un là-bas. Ah, oula, le mec il était prêt avec le bazooka. Attends, bouge pas. Allez. Putain, là-bas, il y a l'hélicoptère. Je sais pas ce qu'il fait, on sait pas trop ce qu'il fait. Je pense que je pouvais tirer là-dessus. Oh, ben là, il y avait un truc explosif. Oh là 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 là. Oh merde. Ouais. Il y a encore des gens planqués. Wow, l'hélicoptère, qu'est-ce qui se passe? Ah, il est énervé l'hélicoptère. Il m'a tout enlevé là. Je peux normalement... faire des dégâts. Et merde, il va rentrer. Je suis pas prêt. J'ai plus de vie. Attention, grenade! Non. Oh bordel. Ah, oh, je crois qu'en plus, la grenade, je crois qu'ils l'ont envoyée pour ça leur serait pété à la gueule eux-mêmes. Ok, je vais essayer de passer par l'autre côté et on va voir si s'il y a pas moyen de faire exploser le. La petite bombe, le petit jerrycan d'essence qui est à côté de. Ok. De toute façon, ça sert à rien d'aller essayer de cibler les ennemis. C'est vraiment pas mon problème. Allez. Où ça je me suis fait repérer? Mais d'où je me suis fait repérer? C'est bon, c'était lui qui m'avait repéré pour le moment. Par contre, ça a dû mettre en alerte les autres, donc même s'ils m'ont pas vu. À mon avis, ils vont pas tarder à arriver. Ils doivent me chercher là. Ok, donc là je vais être face à la bonbonne. Voilà, ils m'ont pas vu comme ça là. Putain, je la vois pas la bonbonne. Elle est là. Voilà. J'ai vérifié tous les baraquements et y a rien. Il peut pas s'y être caché. Ça veut dire qu'il doit être planqué quelque part dans la jungle. Continue d'ouvrir l'œil. On s'occupera de lui s'il essaie de venir par ici. Ouais, on s'occupera bien de lui. Voilà. Occupez-vous de vos culs avant de vous occuper de ceux des autres. Bon, je pense que... d'un point de vue tactique... Ah, j'ai eu chaud là. Là j'ai eu chaud. J'ai eu très peu de temps pour réagir. Enfin non. Pas dire ça non plus mais... Ok. On voit que lui là-bas il est toujours sur son terrain d'entraînement. Donc ça a pas alerté la deuxième partie du camp. Il y a quand même un petit côté infiltration comme ça. Là je pourrais même me coucher et tout dans la jungle là, machin. Bah ouais, au bout d'un moment c'est bon. Là je sais qu'il y a un mec qui est juste en haut. J'ai pas repéré là. Problème. Il y a un gars qui va partir en voiture là. Je sais qu'il y a un mec qui est en haut là, mais celui qui a le bazooka.
Bon allez, je lui tente la tête. Sors de là et bats-toi. Ok, les deux sont morts. Là, il faut juste... J'ai juste besoin de voir un petit fragment de son crâne, en fait, au mec. Là, il y a un... Voilà, le gars... Il semblerait que ce soit bon. Toujours être prudent parce que on savait qu'il y avait un bazooka. Bon, ça peut être délicat au bout d'un moment. Ok. Voilà. Je vais aller voir un petit peu ce qui se passe dans les baraquements. Donc le but c'était de toute façon de faire péter le stock d'armes, donc voilà, forcément. Ok. Bon, il faut que j'aille trouver la bombe. Bon, ça c'est la salle de briefing, ça m'étonnerait que la bombe soit ici. Ah, ok, d'accord, super. J'ai rien dit. Mais bon, je vois pas trop l'intérêt de mettre une bombe dans une salle de briefing. Bon, je vais essayer de chercher vite fait comme ça. S'il y a... La carte qui va nous permettre de rentrer dans le... Dans le petit machin, là. Dans la petite zone où il faut la carte, quoi. Si je la trouve pas... Là, j'ai vraiment nettoyé la zone à fond les ballons. Ouais, ça va, le jeu nous donne quand même pas mal d'armure. Ah, ça doit être là. Admin, ça doit être là. Elle doit être là. Putain! Putain, c'est lui qui avait la carte, non? Elle est là. Pour arriver. Ta race. Le mec, il est resté planqué, quoi, tu vois. C'est vraiment, c'est le... Le mec, c'est le chef du secteur, il est resté planqué, quoi. Allez hop, les munitions. C'est bon. Là, on a tout qui est à fond. Par un nous d'un véhicule. Oula, il a de la chance lui. Celui-là vite fait. Ah ouais, mais d'accord, j'ai plus une mitrailleuse mais un lance-roquette sur le toit, donc ça se joue différemment probablement. Putain, je vais lancer une roquette là-bas. Ah non, mais d'accord, c'est pas je pensais que c'était un lance-roquette. Merde. Oh, il a aucune patate le véhicule. À moins qu'il y ait un lance-roquette, hein. Non, il y a pas de lance-roquette. Je pensais qu'il y avait une double. Ah, partie sauvegardée, génial. C'est par là qu'il faut aller. La carte elle nous dit par là. Oula, oula, oula. Vous devriez bientôt arriver à l'embarcadère. Je viens vous chercher déclasonné sécurisé. Ok. Bon, déclasonné sécurisé. What? Ça vient d'où ça? Où? Oh, d'accord, ok.
Ah le bâtard. Attends, tu vas voir. Tu vas voir, c'est un enfoiré. Est-ce qu'il tire à l'infini ce sang? Ah, le problème c'est que ça bouge trop. Ah, je le vois pas. Allez, la tête, c'est bon. Là. Allez, mange tes balles. Allez, ça c'est fait. Il en reste encore un, ça c'est sûr et certain. Là. Oula. Ah, j'ai une mauvaise réaction par contre là. Beaucoup. Ah, je la joue un peu trop bourrin. Ça devrait le faire. Il y en a un autre là. Ok. Donc là, ce qu'il me faudrait, c'est une armure. Parce que là, j'ai plus rien. Il dit, le mec, il a dit, quand la zone sera sécurisée. Bon, pour le moment, j'ai fait ce que j'ai pu. Il semblerait qu'elle soit assez propre, la zone, mais... Il n'a pas l'air de vouloir me recommuniquer, là, le gars. Est-ce qu'il manquerait un ennemi à tuer quelque part? Ah! Bah non, vous c'est bon. Vous devez être Jack. Comment vous avez deviné? Je vous attendais. Ils ont transféré la fille. Montez. Cachez-vous là-dessous. S'ils vous voient, on y passe mille. Qui pourrait nous voir? Ne cherchez pas à savoir. On reste en contact. Ok, le mec, ça a l'air d'être un scientifique, en fait, qui bosse là-dessus et qui retourne sa veste, quoi. Jack, d'habitude, ils enferment les prisonniers importants dans un bunker, de l'autre côté de l'île. Leurs radars d'observation nous ont repérés. La meilleure solution est que vous passiez par le complexe de recherche. Recherche de quoi? On en parlera plus tard. Ouvrez l'œil et méfiez-vous. Cet endroit est plus dangereux que vous ne le croyez. Ouais. Eh ben c'est pas grave, on y va quand même. Ok, il y a des mecs dans la jungle. C'était quoi ça? Ok. Ok. Attrape. Réponds. Ok. Ok, ok. Voilà, ça c'est fait. Il y a vraiment des mecs qui sont partout. Ils sont partout les mecs. Tu vois, j'en ai vu un là-haut. Il est là-bas. On va le laisser tranquille lui. On va vraiment aller éliminer que ceux qui nous gênent, que ceux qui nous barrent la route. Mais genre tu m'as vu. Ouais, pas en même temps, je suis arrivé un petit peu comme un bourrin. Jack, d'habitude ils enferment les prisonniers importants dans un bunker de l'autre côté de l'île. Leurs radars d'observation nous ont repérés. La meilleure solution est que vous passiez par le complexe de recherche. Recherche de quoi? On en parlera plus tard. Ouvrez l'œil et méfiez-vous. Cet endroit est plus dangereux que vous ne le croyez. Oh non.
Bon, ben lui, finalement, son destin c'était de mourir. Il y en avait un autre. Il est où ? Ok. Ouais, cette fois-ci, je me fais pas avoir. Tiens, voilà, je me suis vengé. Ah, c'est la vengeance, là. Oh. Belle réactivité de ma part. Je suis content. C'est de voir s'il n'y a pas... Ok, il y a un zob ici. On va balayer la zone comme ça. Il a l'air d'avoir qu'un seul zob. Il est derrière les... Là, c'est... Ok, il y en a un deuxième qui se pointe. Ok. J'ai que 11 munitions. Oh, il a bien pris sa balle dans la tête. Très très bien. C'est ce qu'on voulait. Ok, il y en a. Merde, merde, là, il court vite. Il nous faut des renforts, tout de suite. Ah. J'espère que ça va pas déclencher les renforts. Merde, 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 il court, il court, il court. Il fait dépasser de sa tête de temps en temps là. Putain. Ok. Voilà, les mecs n'ont pas eu le temps d'arriver. Contre lui, il commence à me saouler lui. Et merde, 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 et merde. Tout de suite, dès qu'on est plus à couvert, c'est la folie, quoi. Ça arrive par là. Un de mort. Putain. Allez, mange tes balles, bordel. Prends-les. Allez, prends-les, mais... C'est bon, il est mort. Ça c'est fait. Du coup, est-ce qu'il va, il va se barrer l'hélicoptère? Je sais pas. Oh Nick, Nick, non bordel. Oh non, mais pas là. Jack, d'habitude ils enferment les prisonniers importants dans un bunker de l'autre côté de l'île. Leurs radars d'observation nous ont repérés. La meilleure solution est que vous passiez par le complexe de recherche. Recherche de quoi? On en parlera plus tard. Ouvrez l'œil et méfiez-vous. Cet endroit est plus dangereux que vous ne le croyez. Qu'est-ce qui s'est passé? On va se planquer là. On va voir. On va la jouer autrement. Non, mais ça c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Bon, je passe. Là, cette zone est un challenge. D'observation nous ont repérés. La meilleure solution est que vous passiez par le complexe de recherche. Recherche de quoi? On en parlera plus tard. Ouvrez l'œil et méfiez-vous. Cet endroit est plus dangereux que vous ne le croyez. Ok.
Ce que je vais faire, c'est que je vais éliminer les mecs qui sont ici. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter de traverser la nage, en fait. Voilà. Pour éviter toute la zone qu'il y a sur la gauche. Bon allez, c'est pas grave, j'avance. On va tenter cette stratégie, on va voir ce que ça donne. Pour le moment, il n'y a personne qui a l'air de me tirer dessus. Tu vois, ce qui est pas mal, c'est que le fait d'être sur une carte un peu ouverte comme ça, enfin, grandement ouverte même, on a cette possibilité de pouvoir avoir... pouvoir se créer des... une sorte de stratégie, quoi. Les mecs sont blindés. Ok. Là, il y a un mec qui est mort. Non, reviens par là. Ah, c'est bon, crève. À un moment, stop. Ouais, j'ai tué un mec en orange là, un petit peu bizarre. Ok, il est mort. Allez, jusque là, on avance bien. Okay. On a un mec là-haut qui peut potentiellement nous poser problème. Ça va, on va passer par la flotte. Même si c'est que quelques mètres. Nous permet de rejoindre la végétation. Ça va nous permettre de nous mettre à couvert. D'ailleurs, il y a un petit pont là, ouais. Alors attention par là. Et là, il y a une grotte. Ok. Les autres, ils sont là-bas. Je pense que là, on va avoir un point de sauvegarde. Qu'est-ce que je peux ? Écoutez, je sais pas comment ça se présente dans votre secteur, mais ça peut pas être pire qu'ici. Sans rien faire de plus, débrouillez-vous ! Bon. Oh, la carte magnétique. Il faut utiliser une carte magnétique. Non. Oh là là. Il faut que je reparte à l'aventure. Je pense qu'elle va être là-haut, la carte magnétique. Elle va être dans la petite cahute là. Merde, un mètre sur la plage. C'est bon, il est mort. Il est mort. Calmez-vous. Il faut vraiment que je regarde de tous les côtés. Ça peut tellement arriver partout dans ce jeu. Les jeux comme ça qui sont fournis en végétation, c'est très dur de voir les ennemis. Il y en a un, il est là, il tourne autour de la baraque. Là, il est là. C'est bon, il est mort. Il y en a un autre, il arrive. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oula, j'ai eu un petit freeze quand j'ai tiré en plus. Il y en a un autre. C'est bon. Ok. À mon avis, la carte va être ici. Là, j'ai rien. La carte. C'est bon. On a la carte. Partie sauvegardée. Yes. Je peux passer par là comme ça, monter là-haut et défoncer tout le monde de haut. Allez, parti, sauvegarder. Écoutez, les amis, je vais pas aller plus loin. Je vais profiter de cette petite sauvegarde en face de cette porte pour arrêter la vidéo.
En tout cas, cette fin de vidéo m'aura bien fait galérer là. C'est vrai que le jeu, quand même, il te met dans des endroits un petit peu complexes comme ça à passer. Et voilà, là, t'es un petit peu, quand tu perds, et ben, y a pas un point de sauvegarde. Voilà, quoi, faut recommencer d'un petit peu loin avec une autre stratégie et tout. C'est ce qui est un petit peu pas mal, hein, de toute façon, dans ce jeu-là. Je pense que c'était un petit peu. C'est pas forcément un petit peu, mais c'était. J'ai pas envie de dire novateur, mais à l'époque, ça devait bien plaire aux gens de pouvoir. De se voir proposer comme ça plein de solutions, plein de une petite mise en place de stratégie pour pouvoir réussir à passer une zone, quoi. Et je pense que malgré tout, même si on perd et qu'on recommence entre guillemets d'un petit peu loin, on s'amuse quand même bien, quoi. Bon, en tout cas, j'espère que cette deuxième vidéo vous aura plu et on se retrouve très rapidement pour la troisième partie. Merci d'avoir regardé, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.